Après Donkey Kong Country, Rareware se lance dans le développement en parallèle de plusieurs jeux, comme Dream, qui deviendra Banjo-Kazooie, ou Digger, futur Blast Corps. La rumeur gonfle, Nintendo aurait acquis la licence James Bond et Rareware serait sur le coup. Au départ, GoldenEye devait être un jeu de plateforme solo sur Super Nintendo réemployant le moteur de Donkey Kong Country. Il deviendra un FPS en 3D jouable à 4 et sortira sur Nintendo 64 en 1997, la même année que Demain ne meurt jamais. En compagnie de 006, James Bond part espionner un complexe d'armes chimiques à Arkhangelsk, en Russie soviétique. La mission finit en eau de boudin, et son confrère se fait exécuter par le colonel Ourumov. 9 ans plus tard, alors que l'URSS est désintégrée, 007 est chargé de retrouver un satellite russe contrôlé par des mercenaires, le GoldenEye. Son enquête le mène sur la piste d'un certain Janus, descendant des Cosaques de Lienz. GoldenEye est un FPS atypique développé pour le Project Reality, futur Nintendo 64. Rare ne connaît pas les caractéristiques exactes de la console et travaille alors sur Onyx en utilisant une manette Saturn modifiée. Le jeu comporte 20 missions, jouables selon 4 types de difficultés. 007 possède un arsenal varié allant du simple couteau au lance-grenade, du gadget comme la montre laser ou véhicule comme le tank. Les environnements reprennent ceux du film avec une certaine liberté. James traverse la jungle cubaine, les plaines enneigées de Sibérie ou les rues de Saint-Pétersbourg. GoldenEye va se démarquer de ses contemporains. Contrairement à Duke Nukem 3D ou Quake, sorti un an plus tôt, il ne s'agit pas seulement de rejoindre la sortie du niveau, mais aussi de remplir une série d'objectifs. Neutraliser des alarmes, libérer des otages, copier des disquettes, pirater des systèmes informatiques, James Bond peut interagir avec son environnement et les objectifs à remplir sont toujours très variés. GoldenEye revient de loin. Chez Rareware, la licence Bond est frais. Le studio joue sa réputation en adaptant une série aussi prestigieuse. Martin Hollis profite de l'hésitation des cadres du studio pour demander à son directeur, Tim Stamper, de lui laisser mener le projet. S'il n'a alors à son actif qu'un an dans le jeu vidéo, Hollis est un mathématicien diplômé de Cambridge. À cette époque de 3D hésitante, il fallait pouvoir se plonger dans les manuels techniques pour espérer dompter le hardware, ce dont Martin était expert. Hollis devient rapidement le lien entre Rare, Silicon Graphics et Nintendo. L'équipe de GoldenEye est une jeune troupe de 25 ans d'âge moyen, presque tous débutants. Parmi eux, Duncan Botwood a auparavant travaillé sur des logiciels 3D d'architecte. Ce n'est donc pas un hasard s'il réalise les niveaux les plus urbains. Mais il n'y a aucune verticalité dans l'équipe, et chacun apporte sa contribution. GoldenEye est avant tout un travail collectif. Cette souplesse dans les méthodes de travail va donner à GoldenEye toute son originalité. GoldenEye est développé à une époque où le FPS est encore surnommé Doom-like. Au début du développement, Martin Hollis pensait réaliser un jeu dans la veine de Virtua Cop et présente pour la première fois GoldenEye en 1995 sous forme de rail shooter. On en retrouve aujourd'hui les traces avec l'abondance de caisses qui permettaient aux joueurs de se mettre à couvert ou la présence d'otages à sauver. Le gameplay a gardé d'autres traces de cette version rail shooter. En appuyant sur le bouton R, on bascule en mode Time Crisis. Il suffit alors de presser les flèches jaunes de la manette pour que James effectue un pas chassé ou se baisse, puis de les relâcher pour revenir à sa position initiale. Ce mélange des genres parfaitement intégré à l'ergonomie de la manette N64 confère à GoldenEye un toucher unique et dynamique dans le monde codifié du FPS. GoldenEye 007 doit aussi beaucoup à Super Mario 64. GoldenEye reprend ce principe des missions différentes au sein d'un même niveau. C'est au joueur de décider de sa propre méthode et de l'itinéraire à suivre. GoldenEye est l'un des FPS les plus sophistiqués de son époque. Ambidextrie, fusil à lunettes, armes décollées de la caméra, intelligence artificielle des PNJ civils, décors destructibles, headshots et même mode multijoueur, ce qui était rare dans les FPS consoles. GoldenEye est aussi l'un des premiers FPS où le joueur peut recharger manuellement son arme. Autre innovation importante, la localisation des dégâts. Bras, jambes, tête, poitrine et parties génitales. Si le sniper de Bond n'est d'ailleurs pas foncièrement utile dans le jeu, il révèle rapidement sa vraie nature. C'est un champ d'expérimentation pour le joueur, qui s'amuse à tirer dans les différentes parties du corps pour voir les pauvres soldats se contorsionner dans tous les sens. GoldenEye ajoute donc une nouveauté, la notion de cruauté. En niveau de difficulté Agent 00, les scientifiques peuvent se rebeller face à la persécution du joueur et sortent alors un revolver. Le joueur doit fuir ou abattre le scientifique au risque de compromettre sa mission. Le FPS de Rare apporte aussi une dimension stratégique au tir. Alors que dans Doom on tire à vue de nez, ici le joueur doit choisir la bonne arme selon la situation. Les armes lourdes sont également bruyantes et alertent rapidement les soldats.
là où les armes plus silencieuses mais moins assassines seront préconisées pour la furtivité. La mission Bunker 2 représente la quintessence du gameplay en mode Agent 00. Il faudra tirer à faible débit à travers les vitres, opaques pour l'ennemi, pour ne pas attirer l'attention, ce qui suppose de viser la tête. Rare prend un malin plaisir à équiper les ennemis d'armes lourdes pour inciter le joueur à faire du bruit. Pervers et bougrement efficace, Bunker 2 est une merveille d'architecture et incite le joueur à considérer les choix de design. Dans GoldenEye, tout est prétexte à des explosions en chaîne. Les tables, les chaises, les caisses, les casiers. Cette exubérance est liée à la volonté de créer un jeu rythmé dans lequel le joueur doit être constamment en mouvement. Certaines missions, comme Archives, se parcourent à grande vitesse, presque sans tirer. GoldenEye se renouvelle ainsi sans cesse au fil des missions grâce à ses architectures et son gameplay généreux. Comment parler de GoldenEye sans évoquer son IA, spectaculaire en son temps? Les ennemis partent en roulé-boulet, se pressent de sonner les alarmes, se cachent. Pourtant, d'après Hollis, l'IA n'avait rien d'exceptionnel, si ce n'est que le joueur la remarque. L'intelligence artificielle, qui correspond à des scripts précis, est mise en relief par le level design et les mécaniques de jeu. Un exemple fort étant les vitres. Seul James Bond peut voir au travers, témoignage de son super pouvoir d'agent secret. Le joueur peut alors choisir, soit il tire à travers la vitre quitte à semer la pagaille, soit il mémorise la position des soldats et les aligne par surprise en faisant irruption par la porte. Le pouvoir de 007 est également rappelé par le coup de manchette. Un coup de poing donné à un ennemi de face est assez inoffensif, alors que par derrière, il lui brisera les cervicales sans faire de bruit, mais rien ne l'indique. C'est au joueur d'observer et d'expérimenter. Cet aspect du mérite par l'observation est un souhait de l'équipe que l'on retrouve notamment dans l'obtention des codes, qui contribuera à démocratiser la notion de speedrunning. GoldenEye ne s'adresse pas aux fans de Bond, mais aux joueurs avant tout. On ne voit d'ailleurs James Bond qu'en amorce ou en fin de mission, et l'agent ne parle jamais. Après tout, tout le monde connaît 007, alors pourquoi le montrer? Si Rare ne suit pas le film à la lettre et se permet de grandes libertés, les développeurs utilisent intelligemment l'aura de l'agent secret. Elle permet d'exercer une pression psychologique sur le joueur, car James Bond ne meurt jamais dans les films. Ici, lorsqu'il tombe au combat, la caméra nous rappelle la séquence sous trois angles différents pour fétichiser sa mort. GoldenEye est resté dans les mémoires et son multijoueur y est pour beaucoup. Slappers Only, Mines de proximité, License to Kill, Archive, Stack, Complex, Temple, tout ça devrait rappeler des souvenirs. Pourtant, ce mode n'était pas prévu. Réalisé en 3 semaines par Steve Ellis, auteur du multijoueur des Time Splitters, il s'est greffé à la toute fin du développement sans que Rare ni Nintendo ne soient au courant. Le secret de la réussite de GoldenEye 007 est peut-être d'avoir laissé œuvrer des architectes sans plan, pour reprendre les mots de son directeur. C'est justement ce qui lui confère son caractère reconnaissable parmi la foule des FPS sortis à ce jour. Il existe beaucoup de reliques d'éléments inachevés à travers les environnements, qui n'ont pas manqué de nourrir l'imagination des joueurs et l'aura du titre. GoldenEye porte les stigmates de son développement, un développement fait d'accro, d'une grande liberté et d'un génie innocent.